Welcome everybody to this May 2020 Town Council webcast meeting here in town of Mount Royal. Again, this month, I am sitting alone in the council chamber at Town Hall. But let me reassure you, I am not alone on this Town Council webcast meeting. Fellow councilors are with us and I will have the privilege to present them to you in a few minutes. Ce soir, je vous parle à nouveau directement du Salon Elisabeth, notre salle de conseil à l'Hôtel de Ville. Mais je ne suis pas seul. Les autres membres du conseil et des membres de la direction de la ville participent à cette séance et je vais vous les présenter dans quelques minutes. Aujourd'hui, le drapeau de la ville est à nouveau en berne, en guise de respect et de support pour toutes les personnes touchées par la crise et particulièrement pour les résidents et le personnel du Vigie-Mont-Royal. All day today, our city's flag was flown at half-mast again as a form of respect and support for all those affected by the crisis and especially for the residents and staff of Vigie-Mont-Royal. J'aimerais d'ailleurs débuter et faire le point sur la crise du COVID-19. Comme vous le savez, la ville a été littéralement fermée il y a maintenant plus de 14 semaines. Pour répondre à la crise, la ville de Mont-Royal a mis en place d'importantes mesures et a posé des gestes significatifs afin de fournir des services essentiels à notre population, protéger la santé et la sécurité de ses employés, aider nos populations les plus touchées, comme les aînés. Pour ce faire, la Ville a déployé une importante campagne de communication de santé publique et mis en place des mesures financières afin d'aider les résidents. Ce soir, nous allons annoncer de nouvelles mesures de déconfinement et d'aide financière supplémentaire pour les résidents et commerçants de la Ville. Tonight, Town Council will announce new steps to help residents and business owners. The COVID-19 crisis is still not over. Please continue to stay home. And if you have to get out of your house, please keep social distancing and please wear a mask. I would like also to come back to the sad events that took place in Minneapolis and around the world. For the last 3 weeks, public reaction to the shocking and unacceptable death of Mr. George Floyd has been one of anger. What is now branded a murder has prompted an outcry not only in the United States, but everywhere around the world, including here in the Montreal area. It goes without saying that Town Council in the city of Mount Royal has zero tolerance for any act of discrimination, especially one motivated by racism. Healthy diversity is a good thing, not a threat. Il va sans dire que le conseil municipal de Mont-Royal, d'ailleurs la ville en son entier, oppose une tolérance zéro à tout acte de discrimination, notamment en matière de racisme. Nous célébrons chaque avancée en faveur des libertés civiles et chaque gain au profit d'une population diversifiée. Une saine diversité constitue une richesse, non une menace. Parmi nos nombreux idéaux brille, entre autres, celui de l'égalité. Sujet important ce soir, nous allons présenter le rapport financier 2019. Vous serez en mesure de constater que ce rapport contient plusieurs bonnes nouvelles et surtout, vous démontrer à quel point les finances de votre ville sont solides et se portent bien. Je vous présente maintenant les participants à la séance du conseil de ce soir et vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vais y aller en ordre de district, comme à chaque fois. Donc, notre conseiller du district 1, Maître Joseph Daoura. Bon. Madame Mindiam Letty, district 2. Madame Erin Kennedy, district 3. Mr. John Miller, District Number 4. Madame Michelle Setlakoui, le District 5. Bonsoir, good evening. Et Monsieur Jonathan Lang from District Number 6. Bonsoir. Also with us, the Town Manager, Madame Eva Couch. Et finalement, Maître Alexandre Verdi, qui est notre greffier. Alors sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Et nous arrivons donc maintenant à la question, à l'item numéro 2. Je crois que je cède la parole à Madame Mindiam Letty. Oui, merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 15 juin 2020. Sous réserve d'ajouter deux points. Le point de 7.1 intitulé
suspension de l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance, ainsi que le point 16.1, intitulé « Dépôt et avis de motion du règlement numéro 1404-20-2 modifiant le règlement numéro 1404-20 sur la taxation de la ville de Montréal pour l'exercice financier 2020 en ce qui a trait au second versement et à la pénalité. Merci. C'est proposé par Mme Lettis. C'est secondé par Maître Daoura. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Alors, on procède actuellement à quelques modifications dans notre façon de faire lors du Conseil, notamment la période de questions du public général est mise maintenant en début de séance, mais également le varia qu'on a l'habitude de faire à la fin de la séance, on va le faire maintenant en début de séance aussi, puisqu'il s'agit habituellement de l'information très, très pertinente pour les résidents. Alors, on aurait dû le faire au point 1. Je vais proposer un tour de table, laisser les élus faire leur mot d'accueil, et ensuite on passera à la période de questions du public. Alors, je vais y aller encore une fois dans l'ordre des districts. Joseph Daoura. Tu es en sourdine, Joseph. Oui. Alors, je répète, je m'excuse. Bonsoir tout le monde. J'ai trois points à souligner ce soir. La première concernant la collecte de sang de la ville qui s'est déroulée le 11 juin dernier. Et la ville tient à remercier les donneurs qui ont pris la peine de se déplacer pour faire un don de sang. C'est très généreux de leur part, car malgré la situation que nous vivons, on a noté que la présence de 85 personnes, donc il y avait 85 personnes qui sont déplacées à l'hôtel de ville pour cette collecte de sang. Alors, merci à tous les gens. On leur dit merci beaucoup de leur générosité. Le second point concernant le day camp. So the day camp program will begin on June 29. So June 29th. Therefore, we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street accompanied by our day camp monitors. Please, please be vigilant and patient because the security of our children is very important. The security of the children, as I said, is our main priority. So please refer to our website with all the information coming soon regarding the new situation with COVID-19 pandemic and adjustment in place. Et le dernier point que je désire souligner ce soir, on sait très bien que aujourd'hui on a la journée de la maltraitance des aînés. Alors on doit se rappeler que les aînés, on leur doit tout respect, gratitude et reconnaissance pour nous avoir donné l'amour et l'affection et d'avoir inculqué les valeurs et les bonnes conduites dans nos façons d'agir, dans nos façons de vivre dans cette société. Donc, à tous les aînés, on dit on vous supporte, on vous aime et on pense à vous. Merci. Merci beaucoup. Madame Minziam Lati, maintenant. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. J'ai un point que j'aimerais bien vous présenter. C'est la fête nationale le 24 juin et la fête du Canada le 1er juillet. All town services will be closed on Wednesday, June 24th and July 1st, 2020. Thank you. Merci beaucoup, Madame Letty. La conseillère du district 3, Madame Erin Kennedy. Bonsoir. J'ai deux annonces. C'est de respecter les limites de vitesse dans nos rues, le 40 km sur nos rues générales et dans les zones d'école et parcs, c'est 30 km. Et de vous rappeler et prendre soin quand vous rentrez dans le centre-ville avec la construction de REM. So please respect our speeds in the town. No more than 40 kilometers generally on the streets and 30 kilometers around schools and parks. And don't forget to be patient in the center of town as the REM is building the new station and there's a great deal of construction going on.
And also to let you know that our the installation of our speed bumps and speed humps is well underway. Alors, il y aura, vous remarquerez beaucoup de plus de installation de nos dodanes qui est en cours. Merci. Merci beaucoup. So, the councillor from district number 4, Mr. Miller. There we are. At a previous meeting of council, due to the virus problem, we changed the second payment of your tax bills from the 25th of May to the 26th of May to the 25th of June. Maintenant, ce soir, nous faisons notre changement. Et maintenant, le deuxième paiement est le 25 août. The reason this has happened, for the main part, is that the agglomeration council was due later this month. And because the agglomeration council payment has been deferred, we also can defer this payment and allow our citizens a few extra days to pay their tax bill. Thank you very much. Thank you, John. So, maintenant la conseillère du district 5, Madame Michelle Sedlacoué. Bonsoir à tous. Good evening. Deux petites annonces relativement aux loisirs. Premièrement, au niveau de la piscine municipale extérieure, bonne nouvelle, elle ouvrira. Si tout va comme prévu, elle ouvrira samedi le 20 juin. Ça fonctionne, ça va fonctionner très différemment cet été. Ce sera un été inusité, mais on tenait à ouvrir la piscine pour que nos résidents puissent en profiter. Bien entendu, en raison de la pandémie, on doit respecter les règles de la santé publique et on doit limiter le nombre de baigneurs. Notre piscine peut accueillir 370 baigneurs, mais si ma mémoire est bonne, on doit y aller par phase. Ça va être limité à 45 baigneurs. Ensuite, on peut augmenter dans la soixantaine et 70, 75 pour la troisième phase. Donc, le tout se fera sur rendez-vous et je vous invite à consulter le site web de la Ville pour tous les détails. Et je vous prie d'être indulgent, notre équipe aux loisirs, je veux le souligner, de semaine en semaine, ils font un travail extraordinaire à réouvrir tous les plateaux, réouvrir la piscine, les camps de jour, tout ça. C'est un casse-tête pour eux. Ils doivent s'adapter, ils le font bien. Et la sécurité de tous est leur priorité, tout en rendant un service aux résidents. Donc, je les remercie, je vous demande d'être indulgents et je vous souhaite un bon été. Profitez bien de la piscine, en respectant donc ce concept de plage horaire, de réservation. Et deuxième point, encore une fois, de la créativité, notre équipe aux loisirs va sous peu offrir des séances d'entraînement. Il y aura des instructeurs qui pourront donner des programmes d'entraînement dans les parcs à l'extérieur, tout en respectant la distanciation. Encore une fois, corrigez-moi, les détails seront annoncés sous peu sur le site web, j'imagine. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Michel. Et maintenant, Town Councilor from District Number 6, Jonathan Lang. Thank you very much. I do have also a couple of announcements to make. The first one is regarding the quarterly municipal magazine, TMR Info, a little bit delayed this year. Normally it would have come out earlier in the spring, but it will be distributed to all TMR households at the end of June, later this month. And second of all, concernant les remisages des bacs, tous les bacs doivent être remisés avant 23 heures. Le jour de la collecte. Les bacs mal placés, trop lourds ou difficiles à manipuler ne seront pas vidés. De plus, aucun bac ou autre type de contenant ne doit se retrouver sur la voie publique. Les bacs bleus, verts et bruns remisés à l'extérieur doivent être placés sur le côté du bâtiment en retrait de 3 mètres par rapport à la façade avant. Les ordures ménagères remisées à l'extérieur doivent être
disposés dans un contenant de manière à ne pas être visible de la rue à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public, telle qu'indiquée au début. Maintenant, on a changé les règles et toutes les questions peuvent être posées en première partie du conseil. Et pour ce faire, comme il n'y a pas de public dans la salle, on a invité les résidents à soumettre leurs questions. Et je vais demander à la directrice générale d'en faire la lecture et je vais répondre. Alors, voilà, merci. Je vous rappelle que les questions qui sont adressées ce soir par le conseil sont celles qui ont été reçues sur le site web à l'adresse courriel mentionnée sur le site web dans le délai prescrit, c'est-à-dire entre 13h le vendredi et 13h le lundi. So the questions that will be answered tonight by council are those that were received between Friday 1 p.m. and Monday today 1 p.m. Également, les questions qui sont trop longues ou qui se répètent sont toujours plusieurs sur le même sujet. On les a regroupées et elles seront posées une fois et elles sont résumées. Donc, la première question, Monsieur le maire, traite des taxes municipales. On a eu 3 questions là-dessus et je vais lire la première reçue qui vient de Shuya Bachir et Tapi Bachir sur le boulevard des Caries. Many cities have allowed the business tax or property tax to be paid in 6 monthly installments. Ideally, as TMR business taxpayer, I request you to reduce the taxes by 25% to eligible businesses and allow them to pay the remaining business tax in 6 monthly installments. The eligibility criteria would be the same as those businesses qualified for the 75% rent reduction according to federal government guidelines. As a business, we were ordered closed as being a non-essential business by the government of Quebec. Les autres questions reçues sur le sujet de taxation étaient sur le paiement, la date de paiement des taxes. Donc, c'est tout relié à la taxation. Merci. Merci, Madame Couch. Alors, well, hello, Mr. Bachir. Thank you for your question. There is no business tax in TMR. We only have a property tax that resident has to pay twice a year. Because our taxation structure is tied in with the agglomeration taxation and billing from City of Montreal. As for the property tax, we did postpone the first payment, as you may know. And we are announcing today that the second payment that was due in the next day will be postponed to August 25. Alors, pour les autres questions, donc oui, effectivement, on a su seulement hier, finalement, que la décision prise par Montréal qui nous permettait de reporter le deuxième paiement a été pris hier. Donc, on annonce aujourd'hui avec grand plaisir le report du paiement, pardon, du deuxième versement du compte de taxes pour le 25 août. Alors, merci. La deuxième question reçue, the second question is from Anne Streeter, 1302 Kenilworth. When will council resume regular in-house meetings? Well, hi, Madame Streeter. Well, this is a good question. Personally, I feel quite alone here each night, town council evening. But presently, the government, Santé Publique, has not given us the okay to open public building and old public meeting. As such, City Hall is closed until further notice. Until then, all our meetings are to be held in a virtual format. But we are looking forward to see you and all the other usual residents again on our monthly meeting, hopefully by the end of summer, hopefully. Thank you. La prochaine question provient de Jean-Philippe Salis Routier, qui dépose une pétition et représente plusieurs citoyens. Je tiens à souligner que la pétition n'était pas jointe au courriel. Donc, ce soir, je l'inviterai à nous retransmettre la pétition. S'il y en a ceux qui ont signé la pétition, qui peuvent lui faire le message. Alors, mais il y avait une question qui allait avec
la pétition que je peux vous lire. Nous sommes un grand nombre de Monterrois, Monterroises, à pratiquer le skate, la trottinette et le BMX, des sports qui rejoignent de nombreux jeunes. Malheureusement, notre skate park est désuet, voire même sinistre par ses vieilles infrastructures et modèles datés. Nous vous présentons donc cette pétition signée par plus de 150 résidents et utilisateurs du skate park réclamant des rénovations rapides au skate park. Notre question, êtes-vous en faveur de rénover le skate park rapidement? Bonne question. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Salis-Routier. Merci pour votre question. Tout le monde à Ville-Mont-Royal va convenir que le skate park actuel est désuet. En ce sens, la réponse est oui, nous sommes en faveur de rénover le skate park. En fait, c'est drôle parce que, et c'est M. Lang qui nous faisait remarquer ça, la ville de Mont-Royal a été une des premières à créer un skate park. À l'époque, on était très fiers, on avait un des plus beaux skate parks de la région de Montréal. Le temps a passé, les nouvelles tendances sont arrivées et là, on se retrouve avec un skate park un peu triste. Alors, le projet était déjà prévu. On devait rénover le skate park pour l'été 2022, donc dans 2 ans. Mais nous regardons maintenant pour devancer le projet et faire les travaux dans les 12 prochains mois. Donc, et oui, les travaux s'inspireront des meilleurs skateparks actuels tels qu'on voit maintenant au Parc Jarry ou sur Van Horn ou dans certaines villes du West Island. Donc, merci de votre question. Et oui, le projet, on va le pousser pour aller le plus vite possible. Merci. La prochaine question, Jean-Marc Séguin, 115 Wicksteed. Du fait de la COVID-19, à combien est évaluée la perte de revenus pour notre municipalité? Quel est le plan prévu de restrictions budgétaires? Avec quel poste au budget pour lesquels vous prévoyez une diminution de services? Alors, bonsoir, monsieur Jean-Marc Séguin. Nous, évidemment, la question que vous posez, c'est la question qu'on se pose tous. Actuellement, on regarde différents scénarios de l'impact de la pandémie. On ne peut pas encore savoir si les impacts. Dans certains cas, il y a des économies et dans certains d'autres cas, évidemment, il va y avoir des grandes dépenses. Nous sommes toutefois d'avis que l'excellente santé financière de la ville nous permettra de passer à travers cette crise sans recourir à une taxation supplémentaire pour l'année en cours. La diminution de services la plus ressentie est celle, évidemment, reliée aux activités estivales et de loisirs. Je vous invite à rester en ligne pour écouter dans quelques minutes, un peu plus tard dans la séance du conseil, le rapport de la situation financière de la ville qui va grandement vous rassurer sur la santé financière de Ville-Mont-Royal. Merci, bonsoir. The next question is from Paula McCafferty at 420 Carlisle. Does the Quebec government allow our outdoor pool to be opened? And if so, what date will it open and with what schedule and regulations, please? Well, good evening. Yes, we have finally received permission from the government of Quebec to open our outdoor pool. It is planned to open on June 20th, so in the next day. There will be many rules with respect to the social distancing, which need to be respected in many restrictions. We are working on that. We are finalizing the details. A communication was sent out this afternoon, today, and the info will be on our website, I guess, tomorrow. As for now, however, in order to respect the rules, it will work on a reservation basis. Thank you. Question numéro 8. Elle provient de plusieurs résidents du 1375 Sherwood Crescent. So, 6 residents of 1375 Sherwood sent in a question. The question is regarding the renovations and the letters that residents received with respect to the work that's being carried on in their building. Donc, il s'agit de questions concernant les travaux de rénovation à l'immeuble du 1375 Sherwood et les actions de la ville dans ce dossier. Alors, merci. Bonsoir aux nombreux résidents qui ont écrit sur ce sujet. First, let me be very clear. Elected officials are very concerned about what happened at your building at the 1375 Sherwood. Il faut le répéter, les élus sont tous très sensibles à ce qui est arrivé à
cet hiver à cet endroit. Tel que répondu en décembre, selon nos recherches et informations, la Ville n'avait aucun autre choix que d'émettre les permis de rénovation. La demande était conforme à nos règlements. Nous n'avons pas encore statué sur une modification réglementaire pour l'avenir, mais pour le dossier, votre dossier, malheureusement, la Ville n'avait absolument aucun pouvoir d'agir. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des doutes sur la légalité de la façon que vous avez été traité par votre propriétaire, vous devez vous adresser à la Régie du logement. C'est vraiment là que la plainte doit être logée. Et le cas échéant, on vous encourage à consulter un avocat qui peut peut-être vous aider dans ce dossier difficile. Merci. Bonsoir. La prochaine question, Kamali Nizad, 328 Trenton. J'ai été attaquée par trois individus le 21 mai 2020 à 13h24 dans le coin de Selwood et Oakdale. Ils ont arraché mon collier en or et ils m'ont jeté à terre. Je souhaite vous demander pour connaître la politique de la Ville face aux problématiques de cette rue et revoir les différentes possibilités qui puissent augmenter la sécurité des résidents et les utilisateurs de cette rue. Est-ce que la Ville a des plans pour améliorer la sécurité sur cette rue? Écoutez, bonsoir. Merci pour votre question. D'entrée de jeu, mentionner qu'on est extrêmement désolé de ce qui vous est arrivé. On en a entendu parler. Beaucoup de gens en ont parlé dans la communauté. Même si le taux de criminalité de Ville-Mont-Royal est extrêmement faible, évidemment, on n'est jamais à l'abri de ce genre d'incident, mais c'est à ma connaissance la première fois qu'un tel crime survient sur cette rue, sur Selwood, ou voire même dans votre secteur. La réponse est oui, on a demandé à notre sécurité publique d'être encore plus présente. Vous savez que la sécurité publique est présente 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et nous surveillons toutes les rues dans la mesure du possible. Évidemment, les patrouilleurs du service de police doivent faire aussi la même chose. Depuis votre incident, on a augmenté les patrouilles dans le secteur de Selwood, entre Selwood et Markham. Si vous avez des suggestions quant à des améliorations possibles à apporter, on vous encourage à nous les transmettre. Vous pouvez les transmettre à votre conseiller municipal, Joseph Daoura, ou directement à moi, au cabinet du maire, et on fera un suivi sans faute si vous avez des bonnes idées à nous apporter. Alors, merci, bonsoir. La prochaine question, et c'est la dernière question que nous avons reçue dans le délai, provient de Barbara Lapointe au 455 Dobby. J'étais au parc d'Anilox ce week-end et plusieurs résidents profitaient des terrains de soccer et de basketball et du planche-à-drôle. Est-ce que la Ville pourrait installer une toilette mobile avec lavabo au parc d'Anilox, étant donné la fermeture du centre communautaire et de l'aréna? Alors, merci Madame Rebecca Lapointe. Nous ne prévoyons pas l'installation de toilettes portatives. En soi, les toilettes portatives posent en elles-mêmes des problèmes de salubrité, de respect des directives de la santé publique. Ils ne respectent pas les directives de la santé publique. On ne pourra pas en assurer leur propreté et la désinfection qui doit aller avec. On espère plutôt que les directives de la santé publique vont continuer à évoluer dans le bon sens et nous permettront d'ouvrir très rapidement nos bâtiments au public pour que les résidents puissent avoir accès aux salles de bain municipales. Alors voilà, merci beaucoup de votre question. Il n'y a pas eu d'autres questions. Parfait, quand même, il y en avait beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Nous sommes maintenant donc au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux des deux dernières réunions du conseil municipal. Et je vais céder la parole à Mme Minziam-Lotti. Merci, M. le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of May 25th. 2020 and June and of June 3rd, 2020 special meeting. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 5 qui est le dépôt des documents. Je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui. Donc, ce soir, nous déposons le rapport financier et son sommaire. Nous déposons un rapport sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur général. Nous déposons la liste des commandes de moins de 10 000 $, celle de moins de 25 000 $.
Nous déposons finalement la liste des commandes de moins de 50 000 $. Nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande. Nous déposons la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci beaucoup, Maître Verdi. Alors, dans le deuxième document que Maître Verdi a déposé, c'était les faits saillants sur le rapport financier 2019. Donc, c'est le moment où on peut vraiment dresser un tableau des finances de la ville au 31 décembre 2019, donc il y a quelques mois. Alors, de par la loi, je dois vous soumettre ce rapport-là, donc que je vous lis à l'instant. Alors, c'est avec plaisir que je vous soumets, conformément à la loi, les faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. So, I am pleased to present the highlight of our financial report for the fiscal year ended December 31st, 2019. Alors, la bonne nouvelle, la ville de Mont-Royal a dégagé au terme de son exercice financier annuel un surplus de 11,2 millions de dollars. C'est évidemment une excellente nouvelle dans le contexte actuel de la pandémie et de la fragilité financière que celle-ci génère pour les finances des villes au Québec. L'excédent de 11,2 millions est attribuable à des revenus supérieurs combinés à des économies au niveau des dépenses de fonctionnement telles que prévues au budget de l'année 2019. So, Town of Montreal ended its 2019 fiscal year with an operating surplus of $11.2 million. This is a wonderful news for the town, especially in the context of the actual crisis related to the COVID-19 virus. Overall, operating revenue totaled $102.5 million, $6.1 million more than the 2019 budget forecast. This positive difference is largely due to additional revenue generated by the issuing of construction permit in the commercial industrial sector, real estate transfer tax, and the sale of a part of Royden Street in the industrial sector. On the other side, the town's operating expense, which were less than budget, were another significant factor contributing to the positive result in 2019. Globalement, les revenus de fonctionnement sont de 102,5 millions, en hausse de 6,1 millions. Et les dépenses avant amortissement sont de 92,8 millions, en baisse de 4,7 millions par rapport aux prévisions budgétaires 2019. En 2019, l'administration municipale a investi 11,7 millions dans nos immobilisations. Mentionnons que près de la moitié de ce montant est allé à la reconstruction, réfection, resurfaçage des rues et des trottoirs et à la réhabilitation des conduites d'égouts et d'aqueducs de la ville. Donc, des infrastructures qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont excessivement importantes pour la ville. Une très grande partie de nos dépenses sont allées là cette année, comme on fait chaque année. What about our surplus? Well, as at December 31st, 2019, the town accumulated surplus, financial reserve, and reserve fund totaled $39.2 million. That's an historic all-time record for the town. Alors, comme je disais, l'excédent accumulé, les réserves financières, les fonds réservés totalisent maintenant 39,2 millions. C'est un record historique pour la ville. Qu'est-ce qu'en est-il de l'endettement à long terme de la ville? Eh bien, il était au 31 décembre 2019 à 30,2 millions. Cet endettement représente 0,43% de la richesse foncière uniformisée. Selon ce ratio, notre dette est en constante diminution depuis plus de 10 ans. So, the long-term debt of the town is now total now $30.2 million. Again, this year, the town has more surplus and reserve fund than debt. That's a wonderful news for the future and the financial stability of our community. Au-delà de ces excellentes annonces en termes de stabilité et de réussite financière, je suis particulièrement heureux de ses engagements ambitieux à l'endroit des grands projets de la ville. Au chapitre culturel et récréatif, soulignons notamment qu'en 2019, il y a eu les derniers préparatifs pour lancer officiellement les appels d'offres pour la construction du nouveau centre sportif et communautaire. Il y a eu l'inauguration des nouveaux jeux d'eau du parc Dakin. Il y a eu l'annonce de la réalisation d'une nouvelle place publique, une place citoyenne
qui verra le jour au-dessus des voies ferrées au centre-ville de Mont-Royal. Il y a eu la commande d'une œuvre artistique monumentale qui va être érigée sur le boulevard Beaumont à l'entrée du nouveau campus de l'Université de Montréal. Il y a eu l'ouverture d'un nouvel espace canin, un nouveau parc à chiens dans l'enceinte du parc Mohawk, répondant ainsi à un besoin dans l'est de la ville. Au niveau de l'environnement et du développement durable, il y a eu l'arrivée, enfin, du service de vélo libre-service Bixi sur le territoire de Mont-Royal, qui a fracassé tous les records, en fait, pas tous les records, mais tous les chiffres attendus de fréquentation, on les a battus. Donc, c'est très populaire, le Bixi, la ville de Mont-Royal, ce qui justifie l'ajout de nouvelles bornes cette année. Au chapitre de la sécurité publique, il faut souligner la relance du programme de surveillance de quartier, la mise en place d'un service de réponse d'alarme à domicile, la mise en place d'un plan d'intervention afin de contrer la vitesse et le volume du trafic. Au chapitre des communications, on a mis la mise en place d'une toute nouvelle infolettre transmise deux fois par mois à tous les abonnés. Et on a organisé des soirées de consultation sur différents sujets, notamment sur le projet de complexe sportif et communautaire. Par ailleurs, tout au long de l'année, l'administration municipale a suivi de près les dossiers d'importance ayant un impact sérieux pour la municipalité et impliquant des partenaires externes. Qu'il s'agisse du projet de réseau express métropolitain de REM ou du projet Royal Mante, notre administration s'est assurée de représenter et de défendre assidûment les intérêts de la municipalité. Beyond all the good and reassuring numbers included in this financial report, I am especially pleased with some of our concrete action for the town major project. There are some of our key realization. The project of the new sport and community center is getting started. Inaugurating a new water playground, a splash pad in Dakin Park. We announced a new public park to be built over the railway in town center. We opened a new dog run in Mohawk Park. 2019 marked the arrival of the Bixi bike sharing services in TMR. We installed two charging stations for electric and hybrid car. And we launched an entirely new newsletter sent twice a month to all subscribers. In addition, throughout the year, we closely monitor development in major projects that involve external partners and have serious impact on the town, be it the Réseau Express Métropolitain, the REM, or the Royal Mount project. Our administration strive to represent and defend the town's interests. So in conclusion, looking back on fiscal 2019, we can once again conclude that the town's exceptional financial result allow us to maintain course, invest in infrastructure project, and still enjoy appreciable maneuvering room. Our net financial assets are positive, while our surplus and financial reserve are growing. Meanwhile, overall debt is keep stable, even is getting down when look with the town property value. Au terme de l'exercice financier de 2019, nous pouvons conclure une fois de plus que les résultats financiers exceptionnels de la ville nous permettent de garder le cap, d'investir dans nos projets d'infrastructure et de bénéficier de marges de manœuvre intéressantes. Les actifs financiers nets sont positifs, les surplus et les réserves financières sont en hausse et l'endettement global ne représente que 0,43 de la richesse foncière de la ville, toujours en baisse. Cette latitude financière nous aidera notamment à atténuer les impacts financiers défavorables de la pandémie qui se révéleront plus manifestement dans les prochains mois. Je ne peux qu'entrevoir l'avenir de notre ville positivement. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 6, qui est le renouvellement du mandat d'un membre de notre CCU. Et je vais laisser la parole à Mme Kennedy. Oui, et en effet, c'est le renouvellement de le mandat de notre citoyenne nommée. Alors, je propose de renouveler le mandat de Mme Michèle Plourde à titre de citoyenne nommée au Comité consultatif d'urbanisme à partir du mois de juillet 2020. Conformément au règlement 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une rémunération de 250 $ à Mme Plourde pour chaque réunion à laquelle elle assistera,
et de mettre fin à ce mandat immédiatement avant la séance ordinaire du Conseil au mois de janvier 2021. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, adopté. Donc, maintenant le point 7, qui est la ratification des débats. So, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer et d'approuver les débours visant la période 1er mai au 31 mai 2020. So we have masse salariale, $1,344,961. Suppliers and other payments, $799,804. Financing costs, $50,736, for a total of $2,195,501. And currently we have in the bank $49,745,760, earning 0.82%. I second the motion. Thank you, John. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 1 des deux points ajoutés à l'ordre du jour, donc le 7.1. Et je vais donc inviter M. Jonathan Lyne de nous présenter. Thank you very much. Well, as you heard earlier, there's discussion about delaying the second installment for those who haven't paid the second installment of our municipal taxes. So, whereas bylaw number 1404-20 concerning the taxation of the town of Mount Royal for the fiscal year 2020 provides that the interest rate is set at 10% per annum and is applied to the entire amount owed to the town, including tax arrears calculated daily from the date on which the amount becomes due. Whereas section 481 of the Cities and Towns Act allows council to set another interest rate by resolution. Whereas considering the exceptional circumstances related to COVID-19, the town wants to reduce the tax burden on its taxpayers by lowering the interest rate. Whereas on March 23rd of this year, the Municipal Council of the Town of Mount Royal adopted a resolution 20-0306 and decreed that the interest rate on all amounts due for the current year and unpaid to date be 0% per year, calculated from day to day until June 30th of 2020. Je propose de décréter que le taux d'intérêt sur toutes les créances exigibles pour l'année courante et impayées à ce jour soit de 0% par an, calculé de jour en jour, et de décréter que ce taux soit maintenu jusqu'au 25 août 2020. Merci beaucoup. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Bon, j'appuie la résolution. Merci. Merci, Joseph. Alors, je demande le vote. Merci. Adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 8. Alors, ben, en fait, revenir sur le 7.1, donc c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est une des deux résolutions qui va nous permettre de reporter à plus tard le paiement, le second paiement des taxes municipales. Donc, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde à Mont-Royal. Le point 8 maintenant, un renouvellement de contrat et je vais céder la parole à M. Daoura. Oui, merci. Alors, la ville juge important de maintenir ses systèmes de plomberie dans les divers bâtiments municipaux en excellent état. Alors, pour ce faire, la ville a fait un appel à des firmes spécialisées en mai 2019 pour l'entretien et la réparation des systèmes de plomberie de la ville avec option de renouvellement au gré de la ville pour les deux périodes de 12 mois subséquentes. La première année du contrat se termine le 30 juin 2020 et la ville veut se prévaloir de son option de renouvellement pour la première année d'option du contrat, soit la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour faire les travaux usuels d'entretien des systèmes de plomberie, de même que ceux qui pourraient être requis lors des projets de rénovation et de réparation majeure
dans les 12 édifices appartenant à la ville, tels que notamment l'hôtel de ville, le centre des loisirs, les services techniques, l'aréna, la piscine municipale, la bibliothèque, le parc Connaught, etc. Donc, dans ce contexte-là, la ville est satisfaite du contrat qui a été donné à la compagnie, à Vitec, et on va renouveler, comme on dit, cette option de renouvellement. La résolution va être de la sorte « I move to authorize an expense for the amount of $41,288 tax included for the period between July 1st, 2020 and December 31st, 2020 to execute the contract for plumbing services for various municipal buildings and to authorize an expense for the amount of $41,288 tax included for the period between January 1st, 2021 and June 30, 2021 to execute the contract for plumbing services for various municipal buildings, and to award the contract renewal to the company AF-Tech Inc. at the unit prices submitted at the amount of $75,068.47 tax included for the period between July 1st, 2020 to June 30, 2021, with a renewal option at the town's discretion for the last optional year of the contract, which is on the period of July 1st, 2021 to June 30, 2022. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au point 9 qui est so it's contract renewal for the exterior holiday decoration. Toujours Joseph. Ouais. Alors, le contrat pour les décorations extérieures des fêtes a été émis en 2018. Il s'agit d'un contrat d'une année avec option de renouvellement au gré de la ville pour les deux années subséquentes. La première année d'option étant terminée et la ville peut se prévaloir de son option de renouvellement pour la deuxième année et dernière année d'option du contrat, soit la période comprise entre le 6 juillet 2020 et le 30 avril 2021. Pour le renouvellement du contrat, la ville doit aviser l'entrepreneur à l'avance afin de lui permettre de commander les pièces et les équipements pour la prochaine période visée. Alors, tous les équipements doivent être disponibles chez l'entrepreneur le 31 août de la période concernée afin de permettre à la ville de faire la vérification du matériel et pour y donner son approbation. Le contrat consiste à fournir un service de décoration clé en main, ainsi que l'installation et l'enlèvement des décorations extérieures des fêtes. Les travaux seront repartis selon le contrat. L'installation de ces décorations débute le 9 novembre et toutes les décorations devront être complétées et opérationnelles pour le 27 novembre 2020. L'enlèvement de ces décorations doit être effectué du 11 au 15 janvier 2021. Alors, dans ce contexte-là, la résolution va être de la sorte « I move to authorize an expense for the amount of $49,150.36 tax included in the year 2020 for the exterior holidays decoration and to authorize an expense for the amount of $30,672 tax included in the year 2021 for the exterior holidays decoration and to award the contract renewal to the company Services MRO Inc. to undertake these works with the unit and lump sum prices submitted for the amount of $79,822.36 tax included for the last optional years of the contract, which start on July 6, 2020 to April 30, 2021. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Appuyé par Michel, je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté, même si ça paraît très loin, Noël. Le point 10, maintenant, les travaux dans différents édifices municipaux. Je vais céder la parole à M. Jonathan Lang. Thank you. So the town needs to maintain the electrical systems in its 12 buildings in perfect working order. Unfortunately, as these buildings age, the maintenance costs are also increasing.
The final option year for the current contract expires on June 30th. A public call for tender was launched, targeting specialty companies for the work involved for a one-year contract with two option years at the town's discretion. Seven electrical companies acquired the bidding documents, of which four submitted bids. Estimates varied between $68,000 and $115,000, and as is required by law, the contract must be awarded to the lowest conforming bidder, in this case, a company that has already performed work for the town and to our satisfaction. Je propose d'autoriser une dépense de $37,525 taxes incluses pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 pour les travaux d'électricité dans divers édifices municipaux comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser une dépense de $38,023 taxes incluses pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 pour les travaux d'électricité dans divers édifices municipaux comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à la compagnie Avtech Inc. le contrat au prix unitaire soumis au montant de $68,679.80 taxes incluses pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021, avec option de renouvellement au gré de la ville pour les deux périodes subséquentes de 12 mois, conformément aux documents d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées au nouveau contrat au budget de fonctionnement 2020 et au budget de fonctionnement 2021. Merci beaucoup. I second the motion. Thank you, John. So, je demande le vote. Merci. Donc, le point 10 adopté. Nous sommes maintenant au point 11. So, item number 11, replacement of an air conditioning and heating unit for town hall. Je vais céder la parole à Mme Sitlakou. Oui, donc, l'unité de climatisation et chauffage pour les bureaux administratifs à l'Hôtel de Ville a été installée en 1996 et a donc atteint la fin de sa vie utile. Étant donné le prix excessif qu'une réparation de l'unité existante engendrerait, la Ville a décidé de procéder à un remplacement complet. Un appel d'offres à cette fin, par invitation, a été lancé le 13 mai 2020 pour le remplacement de l'unité. Quatre compagnies ont été invitées et une seule a déposé une soumission, soit Neve Réfrigération Inc. au montant de $40,034.30 taxes incluses, et cette soumission a été vérifiée et notée conforme. Afin de tenir compte des imprévus, un montant supplémentaire de près de $4,000, équivalent à environ 10% du montant total de la soumission, est demandé pour une dépense totale de $44,000, taxes incluses. So I therefore move to authorize an expense in the amount of $44,000, taxes included, for the replacement of the air conditioning and heating unit in Town Hall, including all accessory costs, to amend the 2020 capital expenditure program to include project number 2020-310-25 for a budgetary amount of $44,000, to authorize a loan of $40,180 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a five-year period, to award to Neve Refrigeration Inc. the contract to undertake this work, for the lump sum submitted of $40,034.30 taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract, as mentioned, to the working fund to be amortized over a five-year period for a budgetary credit of $40,177.86. Voilà. J'appuie la proposition. Merci à vous deux. Je demande le vote. Merci. Donc, c'est adopté. Merci. Donc, le point 12, le remplacement des luminaires de rue. Donc, on a commencé depuis plusieurs années à remplacer nos lumières de rue, nos lampadaires qui sont en fin de vie. Et on va en faire une grande partie cet été. Alors, je vais laisser la parole à Mme Sitlakou.
Oui, donc les luminaires installés sur les lampadaires dans la majorité des rues de la ville ont des ampoules de type haute pression sodium, HPS. Ce type d'éclairage consomme beaucoup d'énergie et nécessite un entretien régulier. Le parc de luminaires résidentiels compte 1924 lampadaires de type Cobra et décoratifs équipés de ce type de luminaires. L'objectif de ce contrat est d'effectuer le remplacement de jusqu'à 980 têtes de luminaires Cobra, semblables au modèle existant situé dans le secteur résidentiel. L'ensemble des têtes Cobra situées dans le secteur Est et la moitié du secteur Ouest seront remplacées durant cette phase, sauf ceux sur les boulevards Graham et Laird, ainsi que dans le centre-ville. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir toute la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement, la supervision, etc., pour procéder à la fourniture et l'installation des luminaires de type Cobra à technologie Dell. En plus des documents habituels, les soumissionnaires devaient fournir une photométrie des luminaires proposés dans leurs offres. Cette démarche fait partie d'une intégration des principes de gestion environnementale et du plan local de développement durable. À cette fin, un appel d'offres public et électronique a été lancé le 21 avril dernier. 17 compagnies se sont procurées les documents de soumission et parmi celles-ci, 11 ont déposé une soumission. Il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie A.J. Théoret, Entrepreneur électricien Inc., au montant de 287 633,42 $, taxes incluses. Cette compagnie a déjà effectué des travaux similaires pour la ville et nous sommes confiants qu'elle sera en mesure d'exécuter le contrat à notre satisfaction. I therefore move to authorize an expenditure of $317,000, taxes included, for the replacement of street lights, conversion of Cobra light fixtures to LED technology, which includes, as needed, all accessory costs, and to modify the triennial capital expenditure program accordingly, to award to the lowest conforming bidder, AJ Théoret, Entrepreneur Électricien, Inc., the contract for this purpose, at the lump sum price submitted for a total of $286,633.42, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures as follows under, so it's loan bylaw E-2003 with the appropriate items under our 2020 budget. Voilà. I'll second the motion as well. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. Approuvé. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 13. So, item number 13 is the replacement of sewer pipes in Hanover, on Hanover Road. I'm going to ask Mr. Miller. Right. Inspection revealed that some of the sewer pipes on Hanover Road needed to be replaced. It was repaired in 2005, but now it has reached the end of its life. Je propose d'autoriser une dépense de 146,462 $ pour le remplacement des conduits d'égout sur le chemin à Hanover, comprenant tous les frais accessoires, and to award to Construction Camara Canada Inc. the contract to undertake these works with the unit and lump sum prices submitted for the amount of $133,146.80. A subsidy will be paid by the government under the TECQ 2019-2023 program for the payment of investment. Payment of investment will be used to reduce the loan. Work will be undertaken conditional to the approval of the work schedule by MAMH. I second. Merci, je demande le vote.
Merci, adapté. Alors, nous sommes maintenant au... So we're now at the urban planning section of the agenda, and I'm going to ask Madam Kennedy, who chaired the CCU, to give us the recommendation of the CCU. Yes, so I move to approve the following plans from our meeting held on June the 5th. Plan number 2, 426 Monmouth, for painting front door and garage door, replacing shingles and adding all black shutters. Subject to no to the shutters, does not go well with the modern home, stone detailing should not be covered. Plan number 4, 1755 Rockland, for window modification. Plan number 5, 2084 Dunkirk, for new rear balcony that's been approved, changing of the railing. Option 2, White Series 3000. Plan numéro 7, 15, 30, Caledonia, pour agrandissement et reconstruction après un feu. Plan numéro 8, 763 Marlborough, pour modification du permis, revêtement extérieur modifié, déjà construit, sous réserve que le seuil de pierre doit continuer en bas et tourner le coin. Le panneau en aluminium doit être en retrait de la finition acrylique pour laquelle le détail est requis. Plan numéro 9, 198 Trenton, pour agrandissement arrière et au-dessus du garage et échantillon de briques. Sous réserve option B, Dunkeron mat avec les fenêtres toutes blanches. Il faut resoumettre la couleur du joint du mortier pour le CCU. Plan number 11, 113 Wixty for rear addition and deck, subject to the option with shutters. Plan number 12, 239 Lazard, for side addition, deck and modification to openings on rear facade. Suggest to minimize the flashing effect on the roof and go with step flashing detail. Plan number 13, 160 Glengarry for balcony. Plan numéro 14, 128 St. Paul pour terrasse. Plan numéro 15, 1978 Cambridge pour terrasse, sous réserve une hauteur minimum de garde-corps de 36 pouces. Plan numéro 16, 63 Trenton pour un gazebo. Plan numéro 17, 135 Lazard pour agrandissement arrière. Plan number 18, 318 Portland for addition of a porch and rear covered deck, subject to the rear skylight detailing and construction is to be flush and flat to the roof, finishes of taupe color and not the white proposed. Plan number 19, 425 Barton for modifications to the permit of openings. Plan number 20, 1440 Laird for a deck. Plan number 22, 5760 Paré for sign. Plan numéro 24, 454 Algonquin pour changement de couleur de la porte de garage, sous réserve que la peinture ne doit pas être d'une finition mate, mais avoir un léger lustre et peindre les moulures autour de la porte de garage. Plan numéro 25, 25 Beverly pour terrasse et pergola. Plan numéro 26, 101 Brookfield pour terrasse. Plan number 27, 1440 Scarborough for rear porch, subject to the railing to be black. Plan number 28, 2275 Graham for rear deck, fence, and driveway. Plan number 30, 127 Dunray for deck and enlarging a rear window to the basement. Plan number 32, 54 Palmerston for issued permit not respected. The subject was the rear door and adding a canopy to the rear wall. It is approved subject to the roof stretching out beyond the anchors proposed as the front canopy photograph provided. Plan number 2333 Sunset for refinishing the roof to asphalt shingles, subject to the brown asphalt shingles with brown tones. Plan numéro 36, 5580 Côte de l'Est pour une modification au air de chargement et de déchargement, sous réserve de confirmation des sorties par l'architecte. Plan numéro 42, 450 Kenniston pour démolition d'une cheminée et modification des ouvertures de la terrasse existante pour les élévations latérales et arrière seulement, sous réserve que toutes les couleurs de fenêtres doivent se marier avec les couleurs des fenêtres existantes, resoumettre pour les modifications à la façade avant. Plan numéro 45, 215 Portland pour une nouvelle maison et approbation des revêtements extérieurs. Démolition est déjà accordée. Plan numéro 46, 216 Devon pour terrasse et toit. And to refuse the following plans from our meeting of June the 5th. Plan number 10, 447 Strathcona for exterior siding modification,
stucco opening and windows, refused for the following reasons. The architecture is not coherent with the existing architecture, inspired from original plans with respect to details, window styles, modulation, and colors. Maintains stone and window openings on the front facade. The proposed black for soffits is not acceptable. Submit a different color. Photographs of samples against existing home and sample board is required. Plan number 39, 560 Mitchell for replacing windows. Refused for the following reasons. The existing brown window at the rear that would be remaining and adding black windows to the bottom and white to the upstairs will not be working for this semi-detached unit, especially since the present beige works so well with the existing finishes and with the neighbor. And plan number 41, 276 Devon for rear addition and sample board, refused for the following reasons. The volumes are good. Transition from existing to new architecture is non-existent, and the committee finds the rear doors are out of scale. Et voilà. I second the motion. Merci beaucoup, Madame Kennedy. Donc, secondée par Madame Letty, je demande le vote. Merci, adopté. Un grand merci à tous. Nous sommes maintenant au point 15, dérogation mineure pour le 800 Avenue Dieppe. En temps normal, il y a la possibilité pour des citoyens de poser une question en direct quand il y a une dérogation mineure. Toutefois, on en a reçu une par courriel. Alors, je vais laisser Mme Couch nous la lire et je vais y répondre. Excusez-moi, je retrouve la question. Donc, il y avait les gens pouvaient s'exprimer par courriel sur la dérogation mineure. Il y avait un délai de 15 jours, 10 ou 15 jours auquel vous pouvez nous envoyer des commentaires. Nous en avons reçu une seule dans le délai prescrit, provenant de M. Jean-François Baudet du 75-20 de Dieppe à Montréal. Monsieur Baudet mentionne qu'il est en accord avec et comprend la dérogation mineure et trouve que la marge avant proposée à 6 mètres s'intègre mieux au voisinage que la marge originale de 10,5 mètres. Il demande par contre si le nouveau projet sera soumis au CCU de Côte-des-Neiges NDG et il a des questions en ce qui concerne les autres dispositions réglementaires telles que le CES, la profondeur de l'eau et la superficie des terrains. Ah, merci, merci. Bonsoir, M. Baudet. Alors, d'abord, merci d'appuyer cette dérogation. En réponse à votre question, toutefois, non, le nouveau projet ne sera pas soumis au CCU de Côte-des-Neiges. Il est entièrement sur le territoire de Ville-Mont-Royal et doit donc rencontrer les règles et critères de Ville-Mont-Royal. Pour les autres points, les lots créés ainsi que la nouvelle construction, ils respecteront à tout point les règlements municipaux de Ville-Mont-Royal. Donc, le présent dossier à l'étude ce soir, c'est uniquement pour la dérogation mineure de la marge avant. Il n'y a aucune autre dérogation présentement envisagée sur ce lot-là. Alors, merci beaucoup. Et nous sommes donc, on peut passer à la lecture de la résolution. Je vais demander à Mme Kennedy d'en faire la lecture. Yes, so this is just a reminder that it has to do with the subdivision of an existing lot to create a new lot in the town. The only one actually found on Dieppe, and considering its setback as it relates to other homes on the street, both in TMR and in Montreal, we're moving that it would be at 6 meters in order to best harmonize in the area. So whereas the inspection service has received an application for a minor variance from the owner for the property located at 800 de Dieppe Avenue to allow in accordance with minor variance bylaw number 1312, the front setback at 6 meters. Whereas the approval of this application would legalize any non-conforming front setback but cannot apply to any future additions. And whereas after the meeting that was held at the CCU, there was a recommendation that this be accorded. I move to allow, in accordance with minor variance bylaw number 1312, a front setback at 6 meters, encroaching on the 10.5 meter minimum setback required
by 4.5 meters for the immovable located at 800 de Dieppe Avenue. Merci beaucoup. J'appuie la résolution. Merci, appuyé par Mme Sittler. Oui, alors je demande le vote. Merci beaucoup, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 16. Et je vais laisser M. Lang de nous expliquer cette résolution-là. Bon, merci. Le territoire de la ville est actuellement divisé en 6 districts électoraux. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités doivent revoir leur division électorale durant l'année précédant une élection générale. Puisque la prochaine élection se tiendra en 2021, nous sommes présentement en processus de révision de la carte électorale. En vertu du décret de population, la population de la ville de Mont-Royal pour l'année civile de 2020 est de 22 027 habitants. En conséquence, en vertu de l'article 9 de la LERM, la ville devrait désormais être divisée en un nombre de districts électoraux compris entre 8 et 12. Ce barème s'applique en effet aux municipalités dont la population se situe entre 20 000 et 50 000 habitants. L'avis serait publié dans le Poste de Montréal ce mercredi de cette semaine. I therefore file draft bylaw number 1461 to divide the town's territory into 8 electoral districts and give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. And I move to adopt the draft bylaw number 1461 to divide the town's territory into 8 electoral districts. Merci, c'est appuyé par... J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 16.1, qui est un point qu'on a ajouté en début de séance, et je vais laisser M. Lang encore nous présenter ce point. Thank you. So again, to continue what was mentioned earlier this evening, on March 20th, given the COVID-19 pandemic, the AGLO informed the demerged municipalities that they would have a one-month delay in submitting their share of municipal taxes to the City of Montreal. This past weekend, the AGLO announced a further delay for the remittance of the town's share to September 1st. Consequently, the town has chosen to delay the due date to August 25, 2020, for the second installment of municipal taxes owed by town residents. Je dépose le projet de règlement numéro 1404-20-2, modifiant le règlement numéro 1404-20 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2020 en ce qui a trait au second versement et à la pénalité, et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Alors, merci. C'est une excellente nouvelle pour nos résidents. Nous sommes maintenant au point 17, les orientations pour le conseil d'agglomération. Alors, encore une fois cette semaine, je dois aller au nom de la ville de Mont-Royal, représenter en fait notre ville au conseil d'agglomération. Je dois aller, c'est un gros mot parce que encore là aussi c'est web diffusé, alors je me déplace pas beaucoup, mais néanmoins il se prend des décisions très très importantes au conseil d'agglomération, et pour y aller et représenter les intérêts de Ville-Mont-Royal, je dois avoir une orientation donnée par le conseil. Alors je vais inviter Mme Letty à lire l'orientation. Merci Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentante à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 18 juin 2020, ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives à la crise causée par COVID-19, afin de prendre toutes les décisions dans les intérêts supérieurs de la ville de Mont-Royal. J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote.
Merci. Donc, adopté. Alors, ça met un... Ben, en fait, il reste encore un variable supplémentaire si certains élus souhaitent ajouter quelque chose. Alors, si le cas échéant, je vous invite à lever la main s'il y a un petit mot à ajouter. Sinon, je pense qu'au nom de tous les membres du... Ah, il y avait Jonathan. Oui, Jonathan, après toi. Thank you. So I just wanted to say, as the government directives are easing with regards to the pandemic, I urge everyone to still follow the bare minimum for your safety and those around you. Maintain a 6-foot or 2-meter physical distance. Wear a mask when shopping or when social distancing is not possible. Avoid touching your face as much as possible when in public, and certainly wash your hands immediately when returning home. Please stay safe and stay healthy. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, sur ces bons mots, peut-être au nom de tous les membres du conseil, je souhaite souhaiter une joyeuse fête de la Saint-Jean-Baptiste à tous les Montérois et une joyeuse fête du Canada qui suit quelques jours après. Donc, les deux fêtes fériées qui viennent, joyeuse fête à tout le monde. Et on se revoit donc au conseil du mois de juillet. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.